Mungu awabariki sana kwa mnatendea. Juu hapa nilikuwa mwenye nyumba, nilikuwa na lobana. Napo kula nikakuwa na busara ya kukula, lakini Mungu ananisaidia kwanza hii nyumba kwanza, mimi nashukuru Mungu sana. Merci papa inosa. Kubinyana nifanyizia, mimi nafurahi sana. Yeye huyu ananipatia nyumba ya bure. Ananipatia ni chakula ya bure. Mimi namfurahia sana, Mungu amubariki, ampatie vya mingi sana. Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les analyses organiques, les analyses objectives. Merci à tous mes fans. Merci à tous ceux qui sont là pour me protéger, pour me supporter. Ceux qui sont là pour m'encourager à faire ce métier. En tout cas, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas surtout de partager la vidéo ici, de commenter. S'il y a des points de vue qui sont contraires aux miens, mettez-les dans les commentaires, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement à la chaîne ici du Chronique Net TV. Le titre est déjà là. Et vous savez bien ce qui se passe dans le monde de la musique congolaise. Après un bref séjour au Kivu, dans le Nord Kivu, où Inos B est passé fêter avec le monde des opprimés, avec les personnes sinistrées, un homme qui a une vie aisée, une vie d'aisance, un homme Inos B, il n'a pas vu son aisance, il n'a pas vu sa personnalité, mais il s'est humilié pour aller passer les vacances de Noël, les jours de Noël avec les sinistrés, avec les déplacés de guerre. Pendant que il y a beaucoup de stars, ici que nous appelons des stars congolaises, beaucoup des artistes congolais sont toujours dans des jouissances, dans des affaires inutiles. Pendant que un jeune leader, un monsieur de 25 ans, à peine sortir s'il est chéqué mondial, il n'a pas vu tout ça. Un homme qui parle avec des superstars mondiales, il n'a pas vu tout ça. Il s'est rabaissé pour aller combattir avec les Congolais, les déplacés de guerre. Au moment où je vous parle, il a une chanson qui va sortir le 31 décembre ici. Le titre c'est Makolo Milayi. Un homme qui sait d'abord faire sa musique, il sait faire ce qu'il veut faire. Il a des dons, il a des talents, un homme de créativité. Inos B, un homme que moi j'appelle génie dans la musique. Il n'a jamais fait des choses ratées. Il nous a toujours amené de la musique, de la vraie musique. Les images de qualité, les sons de qualité, la chorégraphie, les chansons. Il nous amène encore une autre chanson avec une légende vivante, Awilo Longomba. Nous savons bien que Awilo Longomba n'a jamais raté. Inos B n'a jamais raté. Awilo Longomba, il a joué avec Jocelyne Berroa de Kassav. La chanson, j'ai oublié la chanson, Coupé Bibamba. Il a joué avec les P-Square, Ennemi Solo. Il a fait des chansons comme Carolina. Ça, c'est Awilo Longomba. Mais au Congo, il n'a jamais fait les stades. Il fait des stades pleins à craquer à l'extérieur du pays. Partout en Afrique, partout en Afrique où il passe, il laisse des traces. C'est une légende qu'on ne peut même pas discuter sur le point là. Mais il n'a pas vu sa grandeur. Il a vu un jeune leader qui est en train de se collecter. Il est en train de se collecter. Il n'a pas vu sa grandeur, le monsieur Awilo Longomba, la légende à ce niveau-là. Il n'a pas vu tout ça, mais il a accepté de partager sa connaissance avec son jeune frère, avec son enfant Inos B. Puisque si Awilo Longomba s'il a 60 ans, automatiquement, sans même beaucoup parler, c'est le papa de Inos B, soit le grand-père de Inos B. Il y a une chanson qu'ils ont joué ensemble, Makolo Milayi. La chanson sera disponible le 31 décembre.
Vous savez d'abord bien que les deux là, ce sont des génies. Ils savent comment trémousser les gens. Ils savent comment emballer les gens dans une ambiance positive. Ils ont une chanson qui sera disponible le 31 décembre. Vous les mélomanes de la bonne musique, vous qui aimez des chansons trémoussantes, vous qui aimez vous détendre, voici pour vous le moment est déjà là, le moment est déjà arrivé. Une chanson est intitulée Lokolo Makolo Milai. Elle est déjà là et sera disponible le 31. Allez sur les plateformes de téléchargement. Allez sur les plateformes partout où on télécharge les des musiques. Vous savez déjà bien que Inos Lou n'est pas un musicien, un aigri. Il c'est un homme qui partage. L'argent que vous allez dépasser, un euro que vous allez dépasser pour télécharger la chanson là, pour télécharger la musique de Inos Lou, la moitié à la majorité, ça va dans les œuvres de charité. C'est ça Inos B. Quand vous achetez la chanson de Inos B, quand vous achetez les musiques de Inos B, vous n'achetez pas seulement les musiciens de Inos B, mais vous nourrissez à quelque part l'humanité. Vous aidez à vous participez à aider l'humanisme à devenir l'humanisme. Puisque l'humanisme qui est perpétué, qui est bâclé au Congo, il y a un homme qui s'appelle Inos B qui est en train de transformer ses malheurs au bonheur. Quand vous achetez la chanson de Inos B, vous participez à la transformation de l'homme congolais à l'homme normal. C'est ça Inos B. Vous avez beaucoup de chansons. Ozobe Tamabe, écoutez d'abord le contenu de la chanson. Ozobe Tamabe. Écoutez la chanson comme Yope. Écoutez les contenus seulement. Ça vous dira quelque chose. Et si vous avez la tête vraiment bien faite, vous allez aider Inos B à accomplir ses désirs, à accomplir ses rêves dans la carrière où il est en train de suivre, précisément dans son, dans sa fondation Innocent. Fondation Innocent. Veillez, s'il vous plaît, vous donner corps et âme. Allez supporter l'homme qui est toujours aux côtés de la population, l'homme qui sait faire les choses comme il faut, un homme qui est le génie de la musique congolaise, un homme, comment je dirais, un homme de créativité, un homme qui sait improviser, un homme de l'improvisation. Inos B n'est pas un musicien comme les autres, comme les petits bandits qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est un homme qui est né avec la musique. C'est un homme vraiment qui ne vit pas, qui ne dépend pas de la musique, mais la musique dépend de lui. Il n'est pas venu chercher la vie dans la musique. Lui, il est né musicien. Sa maman musicien, son papa musicien, sa grand-mère musicienne. Alors, toutes ces choses-là sont à lui. Ce n'est même pas lui seul. Il n'est pas égoïste. Il sait partager sa gloire. Le monsieur là que vous connaissez, que vous parlez, que vous insultez chaque jour, il sait partager aussi sa gloire. Aujourd'hui, on connaît maintenant Jizo. C'est grâce à Inos B qu'on connaît Jizo. C'est grâce à Inos B qu'on connaît Presse Baloume. C'est grâce à Inos B qu'on connaît HB, le meilleur réalisateur. Le meilleur hitmaker, le beatmaker, Jizo, c'est grâce à Inos B. Le meilleur manager du moment, c'est grâce à Inos B qu'on le connaît, Presse Baloum. Il sait partager sa gloire. Ce n'est pas un égoïste comme les autres. C'est un homme simple, un homme doux. Il faut savoir étudier quelqu'un pour l'aimer. Moi, je l'ai étudié, je l'ai regardé 2-4 fois. Et puis, j'ai décidé à les soutenir pour que c'est un homme vrai. Malheureusement, les médias congolais, les youtubeurs congolais, les chroniqueurs congolais dépendent de certains leaders congolais, de la musique congolaise. Si ces gens-là disent il faut étouffer Inos B, c'est ça que les médias congolais, les youtubeurs congolais sont en train de faire, en train d'étouffer les actes de bien, les actes qui font les actions de bien, ce sont les actes que les congolais, les youtubeurs essaient toujours d'étouffer. Une personne comme Inos B, ses actes ne devraient pas passer même inaperçus. Aucun média parle de Inos B. Au moment où Inos B est sorti dans la capitale, même pas dans un village, il est quitté
il a quitté la capitale pour aller au secours, aux sinistrés, aux déplacés de guerre. Mais aucun média n'a parlé de ça. Aucun youtubeur n'a parlé de ça. Les youtubeurs sont toujours, toujours derrière les vies, derrière l'argent. Ils s'en foutent de la réalité. C'est eux qui disent que nous avons étudié. Ça, c'est le métier que nous avons. Nous sommes passés par l'école pour faire ces métiers. Mais quand vous les regardez, ce sont des mendiants. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Ils sont là pour étouffer les bonnes œuvres dans la musique congolaise. Ils sont là pour étouffer toute chose qui est bonne. Mais au détriment de, ils sont là sauf pour des mauvaises choses. Les choses, on a vu ici des mauvaises choses. Fallait tuer les gens dans les stades des martyrs. Et ils sont venus pour étouffer la vérité. Ils ont menti, ils ont créé d'autres baisses pour désorienter les gens de cette réalité-là. Maintenant, on a les baisses où Innocent est sorti pour aller au secours aux enfants mal nourris, aux déplacés de guerre, aux sinistrés. Il n'y a personne qui en parle au Congo. C'est ça les médias congolais. Et puis c'est eux qui se tapent la poitrine. Bisso, bisso, bisso. Pendant qu'ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Ils ne sont pas même conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont que là pour mendier, pour quémander. C'est ça. Vous allez voir des gens qui ont des gros ventres. Les gens qui ressemblent à des malades. Comme Moutalikassou. Comme Nati Lokolé. Ce sont des gens qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Soit disaient qu'ils sont partis à l'école pour apprendre les métiers, mais ils ne savent même pas diviser les vraies informations sur les réseaux, sur les médias. Ils ne savent pas. Mais nous qui n'avons rien fait, nous qui ne sommes même pas allés à l'école, on voit des bonnes œuvres, on voit des réalités qui se passent sur les réseaux sociaux, des musiciens. Les gens qu'on ne veut même pas parler de ces nous-là, nous sommes là pour venir éclaircir l'opinion internationale pour ce qui se passe au Congo. Et puis nous sommes les premiers à pleurer, nous sommes les premiers à crier que le Congo va mal, pendant que nous, les Congolais, nous participons à cette malaise. Nous participons à la destruction du Congo. Nous sommes là pour dire, pour crier, oh, les Rwandais vont se battre à Bissot, ba sa boye na boye, ba bidou. Mais nous, quand on se combat, on se bat entre nous, on se rabaisse entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On participe à la guerre. Puisque la guerre détruit le Congo, nous aussi, quand on participe au détriment de nos musiciens, on participe directement à la guerre au Congo, on détruit les Congolais. Quand je dis de telles choses, je le dis avec sincère, avec sincérité, avec un cœur pur. Je dis encore tout haut que chroniqueurs, les youtubeurs congolais, ils ont détruit le Congo, ils ont détruit la musique. Surtout les gens qui parlent justement pour Fally Ipupa. Il y en a Vincent Chiluizi, il y en a les Ken Piana, il y en a des Francis Mombonda, je sais pas, Thierry Mombonda. Ces gens-là sont des empires du mal. Ils sont là pour ne que déformer les informations au profit de Fally Ipupa. Au lieu de déformer les gens, ils sont là pour déformer les gens. Mais moi, je suis ici pour informer. Je resterai toujours un informateur. Puisque c'est mon métier, c'est mon don. Je préfère mourir dans la vérité que de vivre dans des mensonges. Ça, c'est mon slogan. Gilmas, l'oncle de tous les affaires, Muyomba Yabato Toyote. Je vous aime trop. À la prochaine. En tout cas, allez soutenir, allez supporter les bonnes œuvres. Nous avons un homme qui œuvre jour et nuit pour les sinistrés, pour les déplacés de guerre. C'est un musicien, c'est un artiste, pétri du talent, un génie, un créateur, l'homme qui est pétri de la créativité. Un homme qui, je ne sais pas citer les mots qui sont vraiment spéciaux pour les musiciens, c'est Innocent qui les a. C'est ce qui a ces qualités-là. Oh, je parle. Est-ce que je mens? Il vient du Kivu. Au moins, vous parlez, il est à Côte d'Ivoire. Il est dans un conseil, je ne sais pas, Mother of Africa. Mama Africa, quelque chose comme ça. Il ne se fatigue pas. Il vient de compatir avec les gens, mais il s'envole encore pour aller compatir avec les gens, pour aller trémousser, pour aller faire plaisir au public ivoirien. Voici l'homme dont on a besoin au Congo. Que voici l'homme dont on a besoin dans la musique congolaise. Les hommes qui ne laissent pas leurs fans comme ça.
Maintenant, au moment où on se parle, l'homme qui est béni, à l'année 2022, l'homme qui est béni, c'est Enos B. Il a fait beaucoup de choses pour les gens du Congo, pour les déplacer de guerre. Pendant que le gouvernement est là, en train de sillonner, en train de bouffer l'argent, en train de s'amuser, en train de jouir. Pendant que les gens souffrent au Congo. Mais il y a un homme apolitique à l'âge de 25 ans qui se donne la peine et le courage de prendre les risques dans la vie, risque de la rébellion. Il entre là où la rébellion est pour sauvegarder ne fût-ce que les âmes. Et puis il y a des petits voyous qui sont là pour vraiment effacer de telles œuvres dans l'annale des médias congolais. C'est regrettable. C'est regrettable vraiment.